Salut les autres, c'est pour une nouvelle vidéo, on se retrouve ici pour une série, nouvelle map un peu spéciale, map aventure. Voilà, ça c'est de l'intro, ça je vous ai niqué les oreilles, mais je m'en excuse. On se retrouve sur le menu Minecraft, OMG, je commence une vidéo sur le menu Minecraft parce qu'on se retrouve ici pour une nouvelle map, une map aventure. Voilà, j'avais envie de faire une map aventure, donc je me suis dit, on va faire une map aventure. J'ai regardé un peu ce qu'il y avait en ce moment et on a en version 1.12, comme vous pouvez le voir. En bas, là, juste ici, paf, montage est fait. Allez, c'est parti. On est en 1.12 et la map s'appelle A Knight Toll, qui veut dire Knight Chevalier, Toll, le compte d'un chevalier, tout simplement. Et là, on est sur le menu, tout simplement, parce que je voulais voir si il n'y avait pas de... Attendez, hop, s'il n'y avait pas de cinématique en lançant le jeu. Mais déjà, c'est très très joli. On est en 1.12, on a des barres de cœur en plus. Wow. C'est super beau. Musique très très sympa, aidée par Big Ninja Chicken, help par AGBF, je crois que c'est ça plutôt, AGBF, la map est en anglais, donc voilà, info, assurez-vous d'avoir visité toutes les zones parce qu'il y a des objets cachés tout au long de la map, voilà. Là c'est écrit créé par Let's Taco, right click. Je sais pas, right click maintenant. Aidé par Gorimar, aidé par Archie, aidé par Craftmaster 2000 et aidé par Slimer et start right click. Ok, mais je vais aller voir là-bas avant les trucs. Je vais visiter bien toute la map parce qu'il y a des objets cachés aussi au spawn. Ce serait forcément très très probable qu'il y ait des objets cachés au spawn, donc on va tout bien visiter. Voilà, map aventure sur plusieurs épisodes, je sais pas combien de temps la map va durer, je sais pas combien d'épisodes on fera, mais voilà, je sais pas sur combien d'épisodes on fera, je sais pas combien de temps va durer la map, mais voilà, tout simplement, on va se retrouver sur cette map et je vais essayer de faire du daily upload, donc on va faire 10 à 15 minutes par vidéo, sauf là la première parce que je parle beaucoup. Voilà, alors Fire Knight, right click, Knockback Knight, right click, Elf Knight, ok, donc là faut que je choisisse une classe en fait, j'ai différentes classes, excusez-moi, j'ai différentes classes, donc j'ai le Range Knight, alors Range, je sais pas trop ce que ça veut dire, ça va être le mec avec l'arc, Range, ça doit vouloir dire le mec avec l'arc, Range Ranger, ouais, ça doit vouloir dire ça, le Knockback c'est le mec qui a le Knockback, le Fire c'est le mec du feu, et le Elf c'est le mec du... de la vie tout simplement. Je sais pas trop si la map est jouable en multi. Alors elle est jouable en multi, je pense que ça pourrait être cool à la refaire en multi si jamais elle est jouable en multi. En tout cas j'ai pas de texture pack, j'ai juste installé la map comme ça. C'est très très stylé. Ça veut dire la gamme, la portée, la distance, ça veut dire. Le range je viens de regarder. J'hésite à prendre lequel. En fait j'hésite entre Fire, Knockback, pas le mec de l'arc. Je suis en bleu, mais d'habitude, par exemple, je suis sur Pokémon, je prends toujours le Fire. Mais là, j'ai envie de prendre le Knockback. Mais ça va pouvoir m'être utile, mais bon. On va quand même prendre le Fire. Voilà. You are the Fire Knight. Ah, you are the Knockback Elf. Alors, Elf, on a un hammer, on peut taper. Et là, you are... ok, ça c'est beau. On a quoi sur le hammer? Minecraft Golden Axe. C'est une axe, en fait. On en a pas deux, ça serait pas mal. Sword of Knockback et ça c'est quoi Sword of Flame. On va prendre ça, ça va être assez stylé. Quoique, on est en bleu, on va respecter nos couleurs habituelles. Ouais. On va prendre, j'aurais pu me faire un délire en prenant le rose, mais on va prendre celui-là. Bref, commençons la map maintenant. C'est parti, on est en bleu, nous on reste bleu dans nos couleurs. Create by... Click R to view the creator YouTube channel. Ok, c'est juste ça. Ego, c'est parti, on commence la map start. Game. Attention, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout, j'ai mes FPS qui viennent d'augmenter. Princesse Ilmara, s'il te plaît, aide-moi, j'ai été capturé par un chevalier méchant du village Slime. Slimebo. Par contre, le chevalier s'appelle Slimebo. Ou alors je m'appelle Slimebo, je sais pas, je n'ai aucune idée. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Bah, Major Sandstone, Major Sandstone, help! Je vais voir les coffres quand même avant. Grand coffre verrouillé. Ok, c'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Et c'est un peu juste la musique. Option, je vous ai gâché la rétraction, mais... Voilà. Ok. Donc déjà, je me fais attaquer par ça. J'ai pas de texture pack, je vous rappelle. Par contre, j'ai pas beaucoup de FPS sur cette map, je sais pas pourquoi. J'aurais peut-être dû allouer plus de RAM à mon jeu, je le ferai au prochain épisode.
Je suis même pas à 60 FPS, je suis à 39. En tout cas, elle m'a très très stylé pour un début. Voilà, m'appelle en anglais, mon anglais n'est pas vraiment parfait, donc voilà, mais... J'ai tué... Ah, merci! Merci beaucoup. Step on the chat bubble block next to me to continue talking me. Ok, là, faut que je lui parle, j'aille là-dessus. Mais je vais avant m'assurer d'avoir visité toute la zone. Voilà, on prend notre temps sur la map. On va prendre notre temps. En tout cas, la map est très très cool. Vraiment très très stylée comme map. D'accord. En gros, on marche sur le bloc le bloc de bulles, quoi, pour continuer. Il n'y a pas d'item caché. Non, il n'y a pas d'item caché. Vas-y, je vais marcher. Je suis là. Major Sandstone. Avec tes capacités à te battre. The long. Attendez, I think that you the long. Ok. En gros, je vais résumer en gros. En gros, avec mes capacités de me battre, je suis le seul héros à pouvoir les sauver. Tout le village de Slime travaille pour le roi Slimebo. Toute la ville. Il perd beaucoup par contre. Tac tac tac. To take over my position as mayor to get all Rougeport citizen to join his army. Ok, donc là, j'ai reçu une hache. En gros, il y a un roi méchant qui s'appelle qui s'appelle Slimebow, je crois, c'est ce que j'ai compris. Voilà. Il faut aller à Rougeport. If you want to end his reign, King Slimebow live in the castle near. Et il faut que je le tue, quoi. Pour si je veux if you want to end his reign, si je veux retirer son règne, en fait c'est un dictateur en gros le roi Slimebo. Voilà. Et là faut que j'aille à l'ouest, de l'autre côté de l'ouest. Take this as you need to cut down the acacia fence. Et là pour casser des acacia fence. Que je vais parler à lui juste. Because of the king's slime goop all over Rougeport. Ok, Rougeport. Donc là on est à Rougeport, donc là le port rouge. To be peaceful, anti-slimebo, send the slime to touch. Ok. Et en gros il nous explique qu'ils sont terrorisés par les gens, c'est quoi ça? Ah j'ai une potion item caché par exemple ça. D'invulnérabilité. En gros voilà, faut que je tue le roi Slimebo qui essaye de les capturer, qui essaye de. C'est un vrai dictateur ce roi Slimebo. Et faut que je les tue tout simplement. Et pour finir son règne, ce cas-là, tout a compris. Citizen Joe. Coffre verrouillé, coffre verrouillé. D'accord. On prend notre temps, on va tout fouiller. En tout cas, vraiment pas mal déjà pour un début de map. Il y a eu de l'action dès le début, la musique est très entraînante aussi, très très sympathique. Ok, bon, je continue. Il y a des coffres là. Ah, ça, ils sont ouverts. Alors, il y aura peut-être un truc dans le deuxième. Non, il n'y a rien. Citizen Sam Home. Rien, je parlais à lui. Joli jour, n'est-ce pas? Ah, belle journée, n'est-ce pas? Voilà. It was very peaceful before Slimebo showed up. C'était vraiment calme avant que ce Slimebo arrive, soit au pouvoir, en gros, c'est ce qu'il me dit. Hein. Eric Home. Voilà, je fouille toutes les maisons. Là, ça sent le. Non. Je fouille vraiment toutes les maisons. Je vais vraiment fouiller pour avoir des items partout. Enfin, en fait, j'ai vraiment envie de rien rater, j'ai vraiment de clair la map à fond. Là, par contre, ça sent le truc, là, derrière. Et voilà, j'avais raison. J'ai eu une potion de 1 minute régénération et invulnérabilité. Lui m'a dit, la prophétie dit que tous les âges, tous les temps, ont un héros qui arrive. En gros, c'est ce qu'il est en train de me dire. Ouais, je traduis approximativement, parce que voilà, comme je vous rappelle, mon anglais n'est pas vraiment parfait. Mais voilà, et mes FPS ont augmenté, c'est assez cool. Ah, j'ai encore une potion, Instant Elf. Franchement, tu vois, ça sert à ça de fouiller, que ça va me servir, je pense, même pour le boss. Je vais pas les gaspiller bêtement. J'ai entendu dire que le château du roi Slimebo, il y a des gardes méchants, et le seul héros, et tu es le seul héros qui peut nous sauver. Dans la petite porte, c'est la pièce. Où les anciens chevaliers ont passé leur temps à garder en vie. Je comprends pas trop là par contre.
Je ne suis pas sûr pourquoi Slimebo veut. En fait, c'est les goops, ça, si j'ai compris, veut protéger tous les goops. Non, c'est pas eux en fait. Mais ce n'est pas bien, ok. Meilleur Sensei mise à ce Great Need. Ok, en gros, Meilleur Sensei, il a jeté le héros. Voilà. Bon, on va pas non plus fouiller tout le village et tout ça, toute la map, mais j'ai trouvé du moins l'endroit où je devais aller, tout est fermé. J'ai eu quelques potions, ça c'est cool. Et là, du coup, faut que je casse ça, ce que j'ai compris, il faut que je casse ça. J'ai pas eu forcément besoin de faire des réglages, mais. Ok. Boss battle. Ancien chevalier. Ah ouais, le Gnoboy c'est cool. Ok, là il a de la lévitation de gaz. Enfin, je spam click, faut que je me rappelle aussi que je suis en 1.12. Oi! Il te spit un coup. Il va me tuer. Non, meurs pas, meurs pas. Ah, je suis mort, je suis déjà mort. D'accord, ok, bon, ça c'est chaud. Oula, je suis prêt pour du vrai fight, enfin du vrai combat. Je pense que si j'ai autant d'items, là j'ai 10 secondes. Je suis prêt pour courir. Oh là là. Ah là ça va, je suis invincible. Et il me fait galérer déjà ce premier boss. J'ai voulu mettre la facecam aussi pour ça, mais j'ai pas eu le temps de le mettre la facecam. Je sais pas comment trop la mettre avec frappe, parce que. Je suis mort deux fois quand même déjà. Attends, j'ai le kit knockback donc. En fait, il y a du speed de je sais pas combien. T'as quoi avec le kit knockback? Je peux passer la porte. J'ai regardé ce que. J'aurais pu passer la porte sans le tuer, mais en tout cas, la musique est épique. J'espère que vous l'entendez bien. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Je suis mort trois fois quand même sur un premier boss. La porte est ouverte. Ok, j'aille par là, je suppose. Oui. Oui, d'accord, je vais par là, qui fait tout noir. J'ai très peur. Très très peur, j'avance. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, là? Princesse, s'il te plaît, aide-moi. Tu es le seul qui a le temps d'utiliser... Utilise cette... Attends, t'es le seul qui peut me sauver pour le moment, utilise tous tes pouvoirs. Pour me protéger pour faire la paix sur le avec les goops. Slimey gate keeper. The only way to build past this gate is over my. J'ai pas eu le temps de lire. Ah mais meurs. Ah ça c'est le traitor en fait. C'est des traîtres, ça, c'est pas des traiteurs, c'est des traîtres. Get past this gate over my dead body. Ok. Il y a une tête là. Ah, c'est pas une tête, c'est une chouette. Place ruby. Apparemment, j'ai un ruby à trouver que je dois placer. Peut-être que je les ai tués, non. Là, il faut que je trouve un ruby. J'ai rien dans mon inventaire, non, porte les boucliers bleus comme ça c'est vachement stylé. Bon je suis quand même mort trois fois sur le premier boss, on va pas dire, mais voilà. Place Ruby. Ah il y en a encore là, ça se trouve c'est eux. Qui ont un Ruby. Et ça va me sûrement m'ouvrir une porte en face. Ok. Yes, j'ai une clé. Tu as reçu le slime key gate key. Yes. Yes, j'ai une clé. S'il te plaît, meurs. Meurs. Voilà. Et toi, faut que tu me parles. Haha, the gate key. Ok, je t'ai donné la clé. Mais ça m'aide pas en fait. Vas-y, parle. Tu viens me parler. Mais you know with fighting skill. Ok, j'avais me répéter la même chose, j'imagine qu'avec tes compétences à te battre, tu es le héros, je te recommande d'aller parler au majeur, sa maison est la seule qui est rouge, elle peut t'aider pour trouver le château du roi Slimbo.
Par contre, non, mais attends, parce que moi je voulais trouver le rubis. Et attends, j'ai d'autres portes ici, donc à mon avis, ça doit être pas tout à fait pour maintenant. Mais je vais bien visiter toute la zone. Tu vois, là, genre, là, j'ai récupéré une potion. Pour, parce que soi-disant, j'ai un rubis à placer là. Place rubis. Mais ouais. À mon avis, ça doit être un peu plus loin. Ouais, place saphir et tout. Moi, j'ai hésité à trouver, c'est pas ici. Ouais, je vais juste aller voir par là, ça sent les items cachés par là. Je me permets de visiter la map un peu. Regardez ce que j'ai trouvé là déjà. Un totem. Totem Undying. Ça me permet de revivre quand je meurs, d'accord. Oui, je trouve des items cachés. Il faut visiter les maps. Quand vous faites des maps aventure, il faut prendre son temps, il faut visiter. Il faut dans toute la vie, il faut prendre son temps. On n'est pas aux pièces, on a le temps. Oh, ça, elle est belle la tour là-bas. C'est ça le château à mon avis. Et de l'autre côté pareil. De l'autre côté il y a un truc. Aïe. De l'autre côté il y a un truc mais non, j'ai pas accès par là par contre. Ce serait trop facile. Ça serait trop facile d'avoir accès à un endroit comme ça. Je vais du coup continuer ma quête. Oula, j'ai un coup de lag. Changement de musique, j'ai un coup de lag. Y a un mec qui parle là. Je ne sais pas si tu as entendu, si tu as entendu, mais le roi Slimebow ok, a capturé la princesse. Ça doit dire ça, abduct. Je sais plus ce que ça veut dire exactement, je connais ce mot-là, mais je sais plus exactement ce que ça veut dire. Pas capturé, mais abduqué. En gros, il a pris sa place, c'est ça. Abduqué, abduct. Je crois que ça doit vouloir dire un truc comme ça. La musique est très très cool en tout cas. Si tu trouves le minerai de charbon, place-le sur le sol. Devant la maison du roi Slimebow. Ah, c'est une maison du roi Slimebow. Donc là c'est la maison rouge. Ouais, la maison rouge elle est là. Ça c'est la maison rouge où je dois aller. Parce qu'ils m'ont parlé d'une maison rouge et que c'était la seule maison rouge et tout ça que je devais aller. Donc elle est là. Bonjour. Ouais, en gros si tu cherches le majeur, sa maison est rouge, ouais. C'est ça. Zersom qui ne faisait des pièces de puzzle si tu veux. Et dis quoi? Si tu veux débloquer la porte derrière moi. Je ne sais pas ce que c'est. D'accord. Bon, déjà faut que j'aille à la maison rouge. Voilà la maison rouge et après je pense qu'on se laissera là pour ce premier épisode. Majeur ça doit être lui. Slime est majeur. Hey, the gate deputed you to come talk to me and to tell that you're the long awaited. Ok, en gros le garde de la porte m'a parlé de toi comme quoi tu étais le héros attendu. Merci Heaven, c'est le paradis. Merci le paradis, merci Dieu. Je t'attendais depuis toujours. En fait, il a fait ça. Thank you, man, I've been waiting forever. C'est un mode joyeux. Je t'attendais. Enfin, excuse-moi, je suis très excité. Toutes les choses dont tu peux nous aider tout le monde. Mais il parle beaucoup, j'arrive pas à suivre. Pour tuer le roi Slimebow. Tu es le premier à pouvoir. Ouvrir la porte du château. And do to then. Mais tu dois tout d'abord débloquer la porte de Slime Pathway. Donc le chemin. Le chemin. La porte de Slime. Le chemin. Enfin prendre. Débloquer la porte du chemin de Slime. Un truc comme ça. To that you must first get to into King Slimebow Old House. Tu as trouvé l'ancienne maison du roi Slimebow. You must find all the box. Tu dois trouver toutes les boîtes dans la ville. Ça ressemble à des coffres. Dans ces boîtes, il y a des minerais.
Et tous les minerais peuvent être placés sur les blocs correspondants. Donc c'est ce que j'ai vu. D'accord, en gros, faut que je trouve tous les minerais en fait, donc comme je l'ai dit, qui me permettent du coup de débloquer le chemin comme je l'avais prédit tout simplement. Donc on fera ça dans le prochain épisode. On va se laisser là pour ce premier épisode. C'était Pouk et on se dit à la prochaine. On se retrouve pour le deuxième épisode. Mettez un like, un commentaire, partagez si ça vous a plu. On se retrouve pour le deuxième épisode. Allez, bye tout le monde!